Impardonnable, impardonnable, on va quand même lui pardonner, Michel, non? Oui, absolument, c'est vrai, une petite erreur à la sortie aux anneaux et au cheval d'Arçon lui ont coûté effectivement le titre du concours général. Dommage, car Dimitri s'était vraiment arraché les tripes jusqu'au bout. Ah bien, il est inoxydable, ce Karbalenko. Lui, il sera encore présent aux Jeux Olympiques 2024, pour lequel Paris risque d'être à nouveau candidat. Donc on ne sait jamais, donc on retrouvera Karbalenko. Alors pour l'instant, nous nous intéresserons à Yann Kuchera, que nous avions vu briller à Lyon il y a 15 jours lors des Internationaux de France. Voilà, et un petit peu épuisé Yann par le concours général d'hier, car effectivement il a renoué la semaine précédente avec 6 appareils, et ce n'est pas rien en gymnastique, le concours général est quand même très très difficile. Mais Yann a voulu être présent sur ce championnat de France malgré beaucoup de difficultés pour lui, car il est en plein professorat de sport et il mène de pair cette carrière sportive et ses études avec brio. Il nous l'avait dit du reste lorsqu'on l'avait retrouvé dans la capitale des Gaules il y a 15 jours, alors qu'il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la gymnastique. Yann qui nous confie également ses impressions. Yann, vous êtes actuellement le meilleur gymnaste français. Vous aviez 5 titres de champion de France. Vous avez laissé passer le 6e hier. Alors que se passe-t-il? Dites-nous tout. Bah normalement, j'aurais pas dû participer à cette compétition. C'est vrai que je passe le professorat. Dans une semaine, j'ai mes oraux, donc je m'entraîne très peu. Je voulais être présent pour montrer que je m'entraînais encore, pour que ce soit une dernière répétition avant les championnats d'Europe, qui est l'échéance majeure de cette année. Donc voilà, ça me tenait à cœur de participer ce week-end et j'ai essayé de donner ce que je pouvais. Donc bonne chance pour les oraux. Merci.